Bonjour à tous, merci de rejoindre cette masterclass. On va bientôt commencer, on se laisse encore quelques minutes pour démarrer à 11h et laisser le temps à tout le monde d'arriver. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir si vous voyez bien notre écran et si vous m'entendez bien. Donc si vous pouvez laisser un petit message dans la barre de chat qui se trouve sur la colonne de droite, ça me serait utile. Merci. Alors pour le moment, je n'ai pas de message, donc j'ai peur qu'on ne m'entende pas. Ah, super. A priori, c'est bon. Donc, j'ai recoupé mon micro et je vous dis à dans quelques minutes. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bienvenue encore donc pour cette masterclass qui est dédiée à l'analyse de la stratégie d'UX et de personnalisation d'un site e-commerce bien connu qui est ASOS, enfin bien connu des fans de mode. Pendant cette masterclass, on va s'attacher à analyser les forces, mais aussi les axes d'amélioration de ce site pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre boutique. Alors, je suis désolée, j'ai voulu mettre ma caméra. Je ne sais pas si Camille qui m'accompagne veut aussi mettre sa caméra,
mais quelques petits bugs m'empêchent de la mettre puisque ça bloquait un peu. Donc je veux m'assurer surtout que vous m'entendiez bien au détriment peut-être de me voir. Alors, Vous allez bien? on t'entend bien, j'espère qu'on m'entend bien aussi. Moi, j'ai mis ma cam, comme ça au moins vous pourrez voir un des deux intervenants. Parfait. Donc, je vais quand même me présenter. Si je passe sur la prochaine slide. Alors, voilà. Parfait. Donc, je suis Camille Asfila. Je suis responsable l'expérience client pour l'équipe internationale chez Nosto. Donc, je suis responsable d'une équipe de Customer Success Manager qui accompagne nos clients dans leur stratégie de personnalisation et dans la poursuite de leurs objectifs en termes d'expérience client avec notre plateforme. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Camille Dutertre que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle donc Camille Dutertre, je suis en charge du développement commercial chez Synolia. Synolia, si on passe au slide suivant que je vais vous présenter en quelques mots, Synolia c'est une agence experte en digital, précisément en e-business depuis un peu plus de 17 ans, dont le siège est à Lyon, mais on est présent dans différentes villes de France, Bordeaux, Paris dans le Grand Ouest. On commence une ouverture à l'international également. Un peu plus de 100 collaborateurs et puis 10 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. Alors, je disais agence spécialisée en e-business, notre métier est assez large. On accompagne nos clients en leur proposant une offre de bout en bout sur ce qu'on appelle l'expérience plateforme. Donc, on va parler aujourd'hui d'e-commerce et sur le schéma qu'on voit à gauche sur notre slide, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'e-commerce et l'expérience utilisateur sur l'e-commerce, mais on accompagne également nos clients sur des stratégies de PIM, de Business Intelligence ou encore de CRM. Donc vraiment, c'est l'expérience utilisateur au sens large. On travaille en partenariat bien sûr avec Nosto et pour le coup, je vais laisser Camille se présenter. Tout à fait. Alors pour ceux qui connaissent pas Nosto, Nosto c'est une plateforme de personnalisation qui va collecter et analyser toutes les données comportementales et transactionnelles de vos visiteurs sur votre boutique et vous permettre ensuite d'actionner ces données pour créer des expériences d'achat qui soient le plus optimales possible et qui soient bien entendu personnalisées. Alors aujourd'hui, on travaille avec plus de 3 000 marques de retail en France et dans le monde, donc principalement des marques qui possèdent donc des sites e-commerce. Et nous sommes partenaires des plus grandes plateformes e-commerce telles que Shopify, Magento ou Salesforce Commerce Cloud, pour n'en citer que certaines. À noter que même si vous n'êtes pas un utilisateur de ces plateformes e-commerce, nous avons aussi la possibilité de travailler avec d'autres plateformes ou des sites custo. Simplement, nous possédons des modules qui facilitent l'intégration de notre outil avec ces grandes plateformes. Alors, avant de débuter ce webinaire, je voulais juste ajouter une petite précision. Donc, vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de chat, enfin la barre de questions que vous voyez sur le côté GoToWebinar. Et on se fera un plaisir avec Camille d'y répondre à la fin ou par email si on manque de temps. Parfait, Camille, je te laisse débuter ce Alors, webinaire. attaquons le sujet. On a choisi, Camille et moi, de travailler. On voulait vous proposer d'aborder la thématique UX au sens large, expérience utilisateur, les parcours, etc. De choisir une marque qui soit relativement connue, tu le disais, Camille, tout à l'heure. Et on a choisi la plateforme Asos. Alors, Asos, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une marque qui peut être considérée comme pionnière. Et plus qu'une marque, en fait, c'est une plateforme au sens large. C'est une plateforme marketplace maintenant, une plateforme britannique à l'origine qui est spécialisée sur la vente de vêtements en ligne. Depuis les années 2000, donc voilà, ce sont des gens qui ont une grande expérience maintenant sur le marché, qui au départ visaient une cible relativement jeune. Et aujourd'hui, on voit que c'est une cible qui est finalement assez large et assez classique parce qu'ils ciblent des hommes, des femmes de 15 à 35 ans. Spécificité sur cette cible, ce sont des gens qui vont chercher des tendances. Et des tendances qui vont bouger assez rapidement. Ce qui fait qu'il y a, on le verra tout à l'heure, beaucoup de produits sur ces sites. Et donc, la logique de parcours et d'accès au contenu est importante et voire problématique pour la plateforme.
Donc, il est intéressant, il sera intéressant de pouvoir analyser quelles sont les bonnes pratiques et puis les pain points qu'on a pu identifier chez eux. Ce sont des gens qui sont présents dans le monde entier, vraiment 190 pays dans le monde, plus de 23 millions de clients actifs sur l'année dernière. Ça représente 3 milliards 6 de chiffre d'affaires. Bref, c'est un cas client qui est important à analyser et c'est le cas qu'on a choisi. Entrons dans le vif du sujet en regardant, en arrivant sur le site. On a pris, on n'a pas fait forcément de dérouler du webinaire, mais de manière assez classique, on s'est dit, on va faire l'expérience d'arriver sur le site une première fois et puis de voir un petit peu comment se déroule un parcours classique quand c'est la première fois qu'on arrive sur ce site d'Assos. Donc, on arrive sur la home page, premier écran qu'on va analyser. On se rend compte qu'on arrive sur une page qui est relativement light et relativement peu expressive au départ, qui donne la part belle au visuel. C'est volontaire, c'est le but d'une home page aujourd'hui. C'est de donner de l'image, c'est de valoriser une marque, et là en l'occurrence, c'est la marque Asos qui est une plateforme. En tant que plateforme, elle se vend comme une marque, même si derrière, elle doit vendre des marques. Donc, ça, c'est une home, ou j'ai presque envie de dire une pré-home, parce qu'on voit qu'assez rapidement, on va entrer dans une logique de ciblage. On va pouvoir se déclarer, c'est du déclaratif, on va se déclarer en tant qu'homme ou femme et on va accéder à une home V2, une home secondaire qui sera genrée, alors même si j'aime pas trop ce terme-là, une home ciblée, disons. Et là, sur l'écran, on voit que l'écran de le visuel de droite, c'est une home sur laquelle on s'est déclaré en tant que femme et on arrive sur une seconde home où on va nous pousser du contenu dédié pour l'offre femme sur les produits femmes, etc. Où on va nous pousser des tendances actuelles avec toutes les promos, c'est forcément des offres commerciales, mais c'est toute la logique d'Asos, c'est de pousser des tendances plus que des produits. On ne va pas pousser une marque en particulier, on ne va pas pousser un produit ou une gamme de produits, on va pousser une tendance. Donc on va faire un focus sur on sort ou ici le retour des années 2000, etc. Et puis toute la stratégie du site d'Asos sera la personnalisation. La personnalisation commence ici par la home dans laquelle on va se déclarer en tant qu'homme ou femme et le site va nous embarquer dans un tunnel de personnalisation comme celui-là. Et si on parle de personnalisation, je crois, Camille, que tu avais justement des préconisations pour aller un peu plus loin. Tout à fait. Donc en fait, comme l'a dit Camille, on a une home page qui est personnalisée, donc homme-femme. Mais au-delà de ça, il serait intéressant d'aller personnaliser davantage cette home page en adaptant certains contenus, certains éléments de la page en fonction des appétences du visiteur, que ce soit des appétences pour une catégorie particulière, une marque ou un type de produit, on va pouvoir aller encore davantage être granulaire dans ce qu'on va lui proposer à notre visiteur pour lui offrir en fait une expérience qui soit la plus agréable possible. Donc là, je vous ai mis un exemple. On retrouve la home page qu'on a vue sur la précédente slide. On a cette grande bannière, le retour des années 2000. Et en dessous, on a des entrées catégorielles. On a quatre encarts qu'on peut très bien venir personnaliser donc en fonction des appétences du visiteur. Si on a accès à la donnée comportementale et transactionnelle de notre visiteur, on est tout à fait capable de pouvoir faire ça. Et on est tout à fait capable de pouvoir identifier un intérêt particulier. Donc typiquement, vous le voyez sur le premier encart, on va me proposer, on a identifié que j'avais un intérêt pour les produits Curve, qui sont donc une, qui sont, qui est, qui représentent une grosse catégorie pour Asos. Et donc là, c'est intéressant de me mettre une entrée catégorielle directement vers les produits Curve. De la même façon, on a pu repérer que j'avais un intérêt avec les produits Nike. Donc, on va pouvoir me faire une entrée affinitaire avec la marque Nike. Alors, pour aller encore un peu plus loin, le troisième encart, cette fois-ci, peut être également une autre marque. Pourquoi? L'idée, c'est de ne pas enfermer le visiteur dans ses certitudes. Bien entendu, on a envie de personnaliser au maximum la page en fonction de l'intérêt du visiteur, mais on a aussi envie de lui faire découvrir d'autres produits, d'autres marques qui peuvent être intéressantes. Donc, si vous avez accès à des insights et à de la donnée, comme c'est le cas par exemple chez Nosto, sur votre segment de visiteurs, vous allez pouvoir identifier des opportunités.
Donc, par exemple, dans le cadre de mon segment de visiteurs qui ont une affinité avec les produits de la marque Nike, vous voyez l'espèce de graphique que j'ai rajouté ici en tant qu'exemple. On va aussi pouvoir voir ce segment de visiteurs affinité Nike, quelles sont aussi les autres marques qui les intéressent et qui génèrent du revenu pour nous. Donc, par exemple, ici, les deux premières barres qu'on voit, la barre bleu foncé représente les visites, la barre bleu clair représente le chiffre d'affaires généré. Les deux premières barres sont donc Nike, logique, puisque mon segment est un segment affinitaire Nike. Mais on voit qu'il y a une autre marque qui se détache en termes de revenus générés, ici en bleu clair, mais qui ne concentre pas beaucoup de visites. Donc ça veut dire que c'est une marque qui a un fort potentiel pour ce segment-là de visiteurs et qu'il serait opportun d'aller booster en termes de visibilité, pardon, pour aller générer encore plus de chiffres. Par exemple, cette marque pourrait être Adidas. Et donc, dans ce cadre-là, fort de cette analyse de données, je vais ne pas enfermer mon visiteur fan de Nike dans sa certitude, mais je vais lui proposer aussi la marque Adidas, qui représente une opportunité intéressante pour moi et aussi une belle opportunité pour ce segment de découvrir d'autres produits qui, a priori, leur sont intéressants. Enfin, le dernier encart, vous voyez par exemple nouvelle sélection, ça peut tout à fait être un encart qui est commun à tout le monde. On n'est pas obligé d'aller personnaliser vraiment tous les éléments. Bien sûr, des éléments communs peuvent rester. Mais voilà, l'idée, c'est de voir que on peut aller encore plus loin dans la personnalisation et surtout se baser sur la donnée pour pouvoir identifier des opportunités de chiffres. Alors, ça, c'était pour la homepage. Et si on passe sur une autre page cruciale dans la recherche de produits, qui est la page catégorie, Camille, je te laisse la parole. Ouais, continuons notre visite en arrivant. Donc la home, on l'a vu, c'est une page importante, mais ce n'est pas toujours la page sur laquelle on arrive. Et de moins en moins, je dirais, on va faire une recherche, on va arriver sur des pages intérieures. Potentiellement, ici, on peut arriver sur une page catégorie. Qu'est-ce qu'on voit sur cette page catégorie? On voyait associé énormément, énormément de produits. Il sera intéressant, il sera important et crucial même pour ASOS de valoriser les produits de manière différente et de pouvoir proposer une lecture filtrée. Donc on voit ici qu'on a un menu en haut qui est assez instinctif. Mais qu'on a imaginé optimisable néanmoins. Le menu, il est simple, il est sobre, il est complet. Il y a des mises en couleur avec certains encarts importants. Ici, on a de l'outlet, je crois, par exemple. Donc, qui sont mis en rouge, c'est intéressant. Problématique néanmoins, on a fait le test et on n'a pas trouvé, il y a de boutons pour faire un reset total sur l'ensemble des filtres. Or, on a beaucoup de filtres, j'ai plus l'idée en tête de combien on a de filtres, mais. Lorsqu'on va filtrer l'ensemble des choses et se faire une sélection, il faut reprendre chacun des filtres un par un et c'est potentiellement un peu fastidieux. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite problématique qu'on a identifiée. Autre chose, la présentation. Sur la page catégorie, on voit qu'on a beaucoup de produits, on a une grande variété de visuels et ça, c'est un très très bon point. On a parfois chez certains concurrents des visuels qui sont présentés tels quels. Là, on a des visuels produits, on a des produits qui sont portés. Donc ça, c'est une bonne chose. Qui sont portés par différents mannequins dans différentes poses et pour lesquels le cadrage photo est différent, le shooting est différent. Donc tout ça, c'est extrêmement qualitatif. Ça valorise la mise en avant des produits. Ça permet de fluidifier aussi la lecture de la page. Ça vient aérer un petit peu la page. Ça met vraiment en valeur l'ensemble de sa lecture. Légère déception, on est là pour faire un petit peu d'analyse, hein. Légère déception qu'on aurait éventuellement identifiée, c'est pas. Ne pas avoir plus d'informations au survol des produits. On aurait aimé peut-être avoir des informations sur les tailles disponibles, sur éventuellement d'autres coloris, sur une robe, par exemple. Bon, on est peut-être un petit peu exigeant à ce moment-là. On verra par la suite qu'on a toutes ces infos-là dans les pages produits, hein. C'est éventuellement des petites optimisations qu'on avait envisagées. Si on reste sur cette page catégorie, on a imaginé d'autres points encore, hein, sur le slide suivant. Camille parlait tout à l'heure des catégories, tu parlais de curves par exemple qui venaient permettre d'affiner une lecture. On voit ici que dès la page catégorie, on a une logique de flag qui vient permettre de fluidifier et donner une lecture plus rapide des choses. Si on se sait grand ou grande, on va peut-être rapidement aller focuser sur des visuels qui sont qualifiés et flagués tôt.
Et puis, de la même manière, cœur exclusive, petite, on voit même maternity ici. C'est intéressant, ça, c'est une bonne pratique UX qui permet d'aller assez rapidement à l'essentiel et sur les produits cherchés. Encore une fois, on a sur ce site-là beaucoup, beaucoup de produits. Autre point intéressant, on voit qu'on a un petit cœur là-haut qui nous permet d'ajouter à la wishlist. C'est intéressant parce qu'on est plus dans une idée de sélection et de wishlist que dans une logique d'achat. C'est un petit peu moins engageant dans un premier temps. Ça semble moins engageant, ça l'est, mais ça semble un petit peu moins engageant. C'est typé Instagram, c'est moderne, c'est assez qualitatif. On a trouvé que c'était plutôt une bonne pratique. Voilà, c'est dans les bonnes pratiques actuelles, en tout cas. Si on reste sur cette page catégorie, Camille, je crois que tu voulais rester dans cette logique de tri et de la manière dont on peut automatiser ou rendre des choses beaucoup plus intelligentes. Oui, tu l'as dit, voilà, c'est les pages catégories, ça peut être bien souvent des pages d'entrée et c'est des pages qui peuvent concentrer un nombre impressionnant de produits et c'est le cas chez ASOS. Donc le système de filtre, il est hyper important et tu l'as présenté et c'est intéressant. Donc là, ça permet aux visiteurs d'aller filtrer le listing lui-même. Mais ce qui serait intéressant, ce serait aussi d'avoir un listing qui soit préalablement en fait trié de façon automatique et intelligente, sans même l'intervention forcément du visiteur et par l'utilisation globalement des filtres. Donc, ce tri, il peut s'effectuer en ajoutant des règles de tri qui peuvent être basées sur des attributs de performance de vos produits. Par exemple, les produits qui convertissent le mieux, booster les produits qui ont une meilleure marge par impression, un meilleur ratio d'ajout au panier, etc. Et aller combiner ça également par des règles d'attributs produits. Donc, aller booster, par exemple, des produits d'une certaine couleur, d'un certain prix, d'une certaine catégorie, etc. Donc, vous pouvez créer voilà, vos propres règles en leur donnant différentes pondérations pour aller voilà, créer ce tri qui soit intelligent et automatique. Bien entendu, vous pouvez toujours aussi aller manuellement changer certaines places. On sait que voilà, des fois, on a besoin aussi de garder un certain contrôle et ça, c'est possible. Je prends l'exemple, je vais vous donner un exemple concret, notamment avec mon visuel à gauche, ou non, sur la slide précédente, pardon, mon visuel à gauche, où en fait je suis sur la page catégorie nouveauté. Donc les pages catégorie nouveauté, comme les pages soldes ou comme les pages outlet ou meilleure vente, bah, c'est des pages qui vont concentrer beaucoup de produits différents. Avec bah, le simple point commun que ici bah, ils sont nouveaux ils soient nouveaux pardon. Donc comme vous le voyez, j'arrive sur cette page catégorie et je suis exposée à un maillot de bain, un legging, un homeware et une jupe. Donc là, l'intérêt d'un tri automatique et intelligent, c'est que si on a repéré mon intérêt avec un certain type de produit dans ma navigation, eh ben, qu'on puisse aller m'exposer à ce produit-là directement sans même que j'aie à filtrer. Donc si par exemple j'ai un intérêt pour les jupes, eh bien que tout de suite à l'arrivée sur la catégorie, on puisse me pousser les jupes en haut de page, ce que je vais associer bien entendu avec une règle de performance, par exemple les jupes qui convertissent le mieux. Donc là, je vais m'assurer d'avoir un tri qui soit optimal pour mon visiteur et en même temps bah booster selon la stratégie que j'aurai adoptée les performances de ma catégorie en termes de chiffres. Au-delà de ça, au-delà du tri, une autre stratégie qu'on peut recommander sur la page catégorie, c'est d'avoir un bloc de recommandations produits qui, lui, va se détacher du reste du listing. Donc, vraiment qu'on puisse l'identifier comme un bloc à part. Et j'aurais tendance à comparer ça avec ce qu'on peut trouver dans les magasins physiques, type tête de gondole ou toutes les mises en avant que vous pouvez avoir dans les magasins physiques. Je pense que c'est une bonne pratique à reprendre aussi sur l'e-commerce, de pouvoir eh bien, mettre en avant des produits en particulier pour faciliter la découverte du catalogue de nos visiteurs. Donc là, par exemple, on peut mettre en avant bah, les produits, les meilleures ventes de la catégorie. Les produits les mieux notés, les plus plébiscités, le coin des bonnes affaires en montrant par exemple des produits qui soient remisés, les meilleures ventes remisées. Ça peut être par exemple un bloc qu'on montre spécifiquement à tous nos visiteurs qui sont très intéressés par les remises. Encore une fois, on fait de la personnalisation, donc on peut adapter l'algorithme
de ce bloc en fonction de nos visiteurs. L'idée de ce bloc, c'est encore une fois de faciliter la découverte de catalogues. Autre idée d'algorithme à mettre en place derrière un bloc comme ça, c'est de montrer des produits que le visiteur n'a pas encore vus, mais qui sont similaires à son intérêt. Donc vraiment de faire de la personnalisation one-to-one. J'ai montré un intérêt, je suis sur une page de sneakers, j'ai montré un intérêt avec les New Balance. Eh bien, à la manière d'un vendeur en magasin, j'ai toujours pas converti, on va venir m'aider en proposant des New Balance que je n'ai pas encore vus, mais qui sont similaires à mon intérêt, donc similaires en style, etc. Avec aussi une reconnaissance d'image. Voilà, l'idée, c'est encore une fois, l'objectif à garder en tête, c'est comment on aide notre visiteur dans une page catégorie qui peut être remplie de produits, l'aider à trouver ce qu'il recherche pour éviter une fuite du site et un achat chez les concurrents. Dernier point que je voulais aborder sur les pages catégories, et pas des moindres, c'est que les pages catégories, j'imagine que vous faites l'expérience aussi sur vos boutiques, c'est des pages qui concentrent bien souvent le plus grand nombre de vues avec les pages produits. Et donc, c'est des pages qui possèdent une audience très importante. Donc là, ça va être intéressant d'utiliser aussi ces pages et donc le listing produit pour mettre en avant certains messages en fonction de mes visiteurs. Et notamment, pourquoi pas, mettre en avant mes avantages commerciaux. Vous voyez sur le visuel de droite, c'est la home de Asos où on a effectivement ce visuel PayPal qui est une de leurs forces commerciales. Bon, ils utilisent PayPal, il y a le paiement en 4 fois sans frais, ils le mettent en avant sur la home page. Nous, ce qu'on va proposer, c'est, et c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients, c'est d'avoir des cartes de contenu directement dans la page catégorie, puisque c'est là où, en fait, on a vraiment l'audience. Et aussi parce que ça peut être souvent une page d'entrée, on l'a dit. Donc, c'est intéressant de l'avoir directement ici. Peut-être que je ne passerai pas par la home page. Donc, de me montrer, voilà, le paiement facilité avec Klarna, ou pourquoi pas de me montrer aussi une politique de livraison et de retour avantageuse, qui est intéressante pour moi en tant que nouveau visiteur, par exemple, ou prospect, de savoir pour pouvoir déclencher mon premier achat. Dans cette logique de recherche de produits, bien entendu, il y a les moteurs de recherche internes qui sont une fonctionnalité très importante, je le sais, pour bon nombre d'entre vous. Et je vais laisser Camille commenter sur cette fonction côté Asos. C'est quelque chose de crucial, la recherche. Ici, on le voit, on a énormément de produits. Quelles que soient vos plateformes, vos produits, votre marché, il faut toujours qu'on arrive à proposer assez rapidement, le plus précisément possible, le produit qui conviendra au client et pour qu'il se fasse un avis, qu'il puisse éventuellement comparer, etc. Donc, la fonctionnalité de recherche, elle est extrêmement importante. Ici, on voit sur le visuel du haut qu'on a un filtre à facettes qui est vraiment extrêmement dense. C'est un bon point et un mauvais point en même temps. C'est un très bon point dans le sens où il est relativement complet, c'est sûr. Mais on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas forcément remettre les filtres à zéro. Et ça peut être un peu problématique. Là, on a quand même énormément de filtres, un petit peu à la manière d'une console de musique. On va tout paramétrer et puis on ne peut pas tout remettre à zéro assez rapidement. Et puis, on aurait aimé éventuellement pouvoir intégrer des données de personnalisation, puisque c'est tout l'objet de notre discussion depuis tout à l'heure, personnaliser l'ensemble du parcours. Pourquoi ne pas venir personnaliser en mode connecté des informations qui vont être relatives aux visiteurs. Je pense à sa taille, à sa pointure de chaussure, à ses couleurs favorites, histoire de déjà faciliter un petit peu cette fonctionnalité de recherche, parce que là, ça peut potentiellement être un petit peu anxiogène comme moteur. Si on reste sur cette idée de filtre, sur la gauche, on a en bas à gauche là, un visuel avec le filtre par taille. Très bonne pratique, on recherche des vêtements, on ne va pas choisir des vêtements trois fois trop grands. Donc très bonne idée le filtre de taille. Par contre, ici, on voit qu'on a des tailles en UK, en EU, en FR. Est-ce que ça filtre réellement ou est-ce que ça ne filtre pas finalement? On est un petit peu, enfin, personnellement, moi j'étais un petit peu perdu, désorienté quand j'ai vu ça. Camille prenait l'exemple d'un magasin. On est soit dans un magasin français, soit dans un magasin en Angleterre. On a envie d'avoir les tailles qui nous correspondent et ne pas avoir à soi-même faire l'effort de rechercher la bonne taille ou la bonne correspondance. Ce n'est pas problématique forcément, hein, mais c'est un petit peu dommage. Bonne pratique par contre sur le filtre par couleur.
Il y a énormément de produits, énormément de couleurs. On sait à peu près quelle couleur on veut. On veut une robe bleue parce qu'on a telle soirée, etc. C'est le dress code qui a été convenu. Okay. On va aller choisir bleu et puis une couleur qu'on va estimer aller avec ce bleu. Donc, bonne pratique, on peut faire un filtre par couleur en choisissant 2, 3, 4 couleurs. Ça, c'est une bonne chose. En bas à droite, on a un dernier visuel qu'on a voulu intégrer ici, qui est peut-être une faille, enfin peut-être non, une vraie faille dans la personnalisation. C'est tout petit, mais on s'est amusé à taper chemise dans le moteur de recherche. Je pense à mon collègue Romain qui m'a accompagné à faire cette recherche-là. Donc on a tapé chemise et on a eu la surprise de voir qu'on nous sortait des chemises hommes et des chemises femmes. Et là, faille dans la personnalisation. On s'est déclaré dès la home comme étant un homme ou une femme. Tout notre parcours est orienté de cette manière-là. Et à la moindre recherche, on est perdu, on est basculé dans l'ensemble des choses. Encore une fois, si on était dans une logique de magasin, on demande à un vendeur où se trouvent les chemises, au fond du magasin sur la gauche, très bien, mais on nous envoie chez les hommes ou chez les femmes, pas dans un tas global. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pour essayer de pallier à tout ça, Camille, je crois que tu dis dans ces cas-là qu'on peut éventuellement essayer de réorienter et d'avoir une logique de recommandation, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. En fait, Nosto ne propose pas de fonctionnalité de recherche, du moins pas encore. Et on a fait un test hein, sur un de nos clients, donc Champion. J'ai tapé T-shirt homme et malgré tout, j'ai été exposée, comme vous le voyez sur le visuel à droite, j'ai été exposée à des T-shirts plutôt femmes. Donc, l'idée, c'est que ici, on voit que la recherche, c'est pas si simple et que parfois, même quand on a voilà, un mot-clé qui est assez précis, eh bien, on peut se retrouver avec des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche vraiment. Donc, ça peut être un peu frustrant pour le visiteur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir compléter les résultats de recherche du moteur interne par un bloc de recommandations qui va, lui, se baser sur de la donnée comportementale et donc aller montrer les produits que les autres visiteurs ont consulté après avoir tapé ce même mot-clé. Et ce qu'on constate en faisant le test sur Champion, c'est qu'effectivement, quand je tape le même mot-clé, là, les produits qui me sont recommandés dans le bloc de recommandations produits, ça correspond bien ou ça correspond davantage à ma recherche, donc des t-shirts hommes. Donc là, c'est plutôt venir compléter un petit peu et pallier à certains résultats qui pourraient ne pas être suffisamment pertinent. Si on arrive maintenant à la page produit, notre parcours continue. On arrive vraiment sur une page produit qui nous intéresse. Je vous parlais tout à l'heure de la robe bleue. Alors, on y arrive sur cette fameuse robe bleue. Une des fonctionnalités qui est bien connue, que vous connaissez tous sans doute, et si vous ne la connaissez pas sous ce nom-là, vous la connaissez en tout cas. On parle de FOMO, qui est le Fear of Missing Out. C'est du stress marketing, ni plus ni moins. Stratégie de push où on va dire attention, ce produit-là est bientôt épuisé. C'est une bonne pratique. C'est parfois décrié. C'est une pratique, en tout cas, qui nous permet d'appuyer sur l'importance du cross-selling ou de l'up-selling, ou en tout cas, je dirais, de la recommandation derrière. Il se peut qu'effectivement, ce produit soit bientôt épuisé, voire épuisé, auquel cas, on va proposer un produit de substitution. Il se peut aussi qu'on ait envie, dans ce cas, de vouloir proposer les chaussures qui vont avec. Tout ça fait partie des bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment sur la page produit qu'on doit les mettre en avant. Attention néanmoins à la manière de le faire. On a identifié, Camille, un point important, c'est que lorsqu'on propose une robe à 117 euros qui est bientôt épuisée, qu'on fasse attention à ne pas en proposer une autre qui viendrait dégrader le panier. À fait. Tout à fait. En fait, là, c'est un point important que tu soulignes, c'est que l'alternative produit, pour moi, c'est un des points un des éléments, on va dire, essentiels de la page produit. Je suis sur une fiche produit, la robe n'est pas disponible en ma taille ou ne me convient pas, il faut tout de suite qu'on puisse me proposer de l'alternative produit avec d'autres robes similaires. Donc ça, c'est indéniable, c'est important. Par contre, il faut faire attention à quel produit on va me recommander. Alors, si ici, effectivement, on me recommande des robes qui semblent similaires, je suis sur une robe à 117 euros, mais on me propose une robe aussi deux fois moins chère. Donc, la tentation est forte pour que potentiellement je choisisse la robe qui soit deux fois moins chère. Et donc là, on va potentiellement venir dégrader la valeur du panier moyen. Donc, qu'on va
conseillé en général, c'est d'ajouter un filtre de prix qui va pouvoir montrer des produits certes similaires, mais dans une tranche de prix qui soit entre moins 5% par exemple et plus 30 ou 40% que le produit qui est actuellement consulté par le visiteur. Comme ça, on s'assure de limiter la dégradation du panier moyen. Et pourquoi pas, on vient également potentiellement augmenter la valeur du panier moyen en proposant des robes légèrement plus chères à celles que je consulte, ou du moins dans la gamme de prix adéquate. Donc c'est effectivement un point sur lequel il faut faire attention dans ces stratégies de produits alternatifs. Si on poursuit cette page produit, d'autres éléments sur lesquels on a voulu faire un léger focus, c'est le guide détail sur le slide suivant. C'est le guide détail et les avis clients. Ce sont des fonctionnalités que vous connaissez tous et qui sont relativement classiques. Donc on peut passer rapidement là-dessus. Néanmoins, il était important qu'on revienne. Si elles sont classiques, elles doivent être bien travaillées parce que ce sont des choses auxquelles on est habitué, qui font partie des bonnes pratiques, qui font partie des usages maintenant, et ce sont des choses auxquelles on s'attend lorsqu'on est sur une page produit. Si on ne trouve pas ces informations-là, potentiellement, c'est l'effet inverse qui va se produire. Ici, encore une fois, on a beaucoup de produits, potentiellement des produits qui sont épuisés, on le voyait à l'instant. On s'est déclaré comme femme au départ, on a une stratégie de personnalisation depuis l'ensemble. Là, on nous propose de déclarer sa taille, son poids. J'ai mis deux screenshots ici en bas à gauche, mais il y en avait, je crois, six de mémoire, où on nous accompagnait sur l'ensemble. Donc la taille, le poids, le confort souhaité, la taille qu'on a dans telle autre marque, tout ça va venir apporter un accompagnement conseil qui est extrêmement qualitatif et rassurant dans notre parcours. C'est un bon point, c'est vraiment important. Il ne faut pas dégrader cet aspect-là. On reste encore dans une logique magasin, online, offline. C'est vraiment un point important. Ce que ferait une vendeuse en magasin pour venir nous conseiller, on doit le faire ici et apporter une réponse que n'apporterait pas un concurrent, par exemple. Autre point, c'est tout ce qui est contenu, UGC et avis client, User Generated Content et avis client. C'est une bonne pratique, ce sont des choses qui sont très connues. Encore faut-il qu'elles soient bien placées dans la page. Et là, on parle d'UX non plus en tant qu'expérience client, mais en tant que conception de page. Comment est-ce qu'on va concevoir la page? Donc là, on voit sur cet exemple-là que le rating, toutes les étoiles, le rating est positionné en haut, juste à côté du prix. Donc on peut assez identifié rapidement que cette robe qui est à 117 euros, elle est notée 3 étoiles sur 5, etc. Peut-être qu'on va se poser la question. J'avais envie de l'acheter, mais pourquoi seulement 3 sur 5? En cliquant là-dessus, on est basculé en bas de page, là où on a un bloc qui est plus détaillé avec les avis. Est-ce qu'on a deux avis ou est-ce qu'on en a 25? Pourquoi? Quels sont ces avis, etc. Quelle est la note? Donc voilà, encore une fois, ce sont des fonctionnalités qui semblent simples et convenues, mais qu'il est important de rappeler et de bien travailler. Pour aller plus loin, on peut personnaliser ces encarts-là. Et ça vient encore apporter de la rassurance, Camille. D'ailleurs, je me permets juste d'ajouter un petit commentaire à ce que tu viens de dire, Camille, sur les étoiles et sur les avis produits, parce que ça vient renforcer aussi l'intérêt d'avoir un bloc de produits alternatifs qu'on a présenté juste avant. Si effectivement j'ai un produit qui est noté 3 étoiles et que je me rends compte que la plupart des visiteurs disent que, par exemple, les chaussures ne sont pas confortables, peut-être que pour moi c'est rédhibitoire et donc. Voilà, c'est pareil, il faut me proposer une solution. Il faut pas que je sois dans une impasse ou que je décide d'aller chercher ailleurs. Donc c'est là où voilà, le bloc alternatif produit similaire est vraiment, vraiment très important aussi dans ce cadre-là. Voilà, c'est une petite aparté. Autre point, effectivement, on a beaucoup parlé de personnalisation en fonction d'appétence pour certaines catégories, pour certaines marques, etc. Mais faut pas oublier aussi la personnalisation en fonction du cycle de vie du visiteur. Parce qu'on est capable, par des signaux qui sont envoyés à nos visiteurs, par de la donnée comportementale et encore une fois transactionnelle, de pouvoir définir en fait où se trouve notre visiteur dans son cycle de vie. Et on va bien entendu pas s'adresser de la même façon à un visiteur qui arrive pour la première fois sur la boutique en ligne que un visiteur qui a l'habitude de commander chez nous. Donc la page produit, qui est encore une fois une page qui est très consultée, c'est une bonne page pour aller ajouter des éléments ou des messages qui soient personnalisés en fonction du cycle de vie du visiteur. Donc là, par exemple, comme vous le voyez sur le visuel ASOS, on a une top banner noire à destination des visiteurs qui arrivent pour la première fois sur site avec
l'incentive code promo. Et on a aussi ce que vous voyez là, l'encadré bleu, qui, pareil, m'indique que c'est ma première visite et que je peux bénéficier de mon 25% en téléchargeant leur application avec le code NewApp. Donc, il faut exploiter ces éléments-là, mais les exploiter effectivement, en adaptant le message qu'il va y avoir dedans. Donc, un nouveau visiteur, on va pouvoir lui montrer des messages de réassurance. Nos forces commerciales dont on a parlé avant, ça peut être intéressant de les mettre ici, paiement en 4 fois sans frais, un retour gratuit, une livraison rapide, etc. Ou pourquoi pas, si on veut effectivement un code promo pour toute première commande. On peut imaginer que, par exemple, pour les prospects, donc le segment de visiteurs qui ont montré un intérêt important envers vos produits, qui ont potentiellement ajouté un produit en panier, mais qui n'ont toujours pas converti. Pour ces visiteurs-là, on va peut-être vouloir aller encore un peu plus loin et cette fois-ci avoir un code promo si on ne le donne pas, du moins aux nouveaux visiteurs. Je veux bien aller sur la prochaine slide, juste pour vous montrer l'exemple d'un de nos clients qui, en fait, a mis en place cette stratégie. C'est-à-dire que les nouveaux visiteurs étaient exposés à une remise de moins 10% pour toute première commande. Et ces mêmes visiteurs qui sont passés de nouveaux visiteurs à prospects dans leur cycle de vie, puisque eux, ils ont commencé à ajouter en panier, mais ils n'ont pas converti, et ils sont revenus le lendemain, par exemple, eh ben, on leur a donné une remise supplémentaire. Donc, on leur indique ici, votre remise a été augmentée, vous avez désormais accès à moins 20% aujourd'hui, par exemple, en utilisant ce code-là. Voilà. Ça, c'est une idée de stratégie pour vraiment aller déclencher l'achat, peut-être des plus réfractaires et pourtant des plus prêts à convertir et éviter encore une fois la fuite vers d'autres sites. Si je retourne sur la slide précédente, je vais finir par exemple les visiteurs fidèles. Les visiteurs fidèles donc ont l'habitude hein, de commander chez vous si vous avez la chance d'avoir on va dire une grande proportion de ces visiteurs-là. Eh ben, on va pouvoir leur adresser des messages différents et notamment, pourquoi pas, leur mettre en avant davantage le programme parrainage puisque c'est des visiteurs qui, a priori, vous apprécient, apprécient vos produits et seront donc plus enclins à aller vous recommander auprès de leur entourage. Et donc, à ces visiteurs-là, leur mettre en avant ce message-là, ben, ce sera peut-être plus efficace et vous permettra de faire de l'acquisition de nouveaux visiteurs via votre programme parrainage. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, si on a envie de construire une stratégie de contenu UGC, donc de User Generated Content, notamment sur les réseaux sociaux, bah, à ces visiteurs qui sont assez fidèles, bah, pousser votre hashtag pour les pousser à poster sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'encore une fois, c'est des visiteurs qui sont assez engagés avec vous. On peut également penser à ce qu'on a vu beaucoup chez nos clients, à des stratégies de remise VIP pour ces visiteurs-là lors de grandes périodes de soldes, donc des codes vraiment spécifiques avec un moins 10% en plus ou voilà, des choses comme ça. Et enfin, on va arriver sur la dernière étape, mais pas des moindres, qui est la page panier Camille. On arrive sur la dernière étape, ouais, l'étape de conversion vraiment du panier. On a sélectionné, enfin la conversion est presque faite et étape sur laquelle il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se louper vraiment, c'est le panier. On voit ici une bonne pratique, c'est l'update possible dans le panier. On voit ici, alors c'est pas très très grand comme écran, hein, mais on voit ici qu'on a un produit, quantité 1, taille S. Peut-être qu'on s'est trompé de taille et que c'est pas S mais M qu'on voulait. On peut le modifier ici. Peut-être qu'on se dit qu'il est vraiment bien, il est quand même vraiment pas cher et il était indiqué comme bientôt épuisé. Ok, on va en prendre un deuxième et on va pouvoir le rajouter tout de suite sans revenir sur la page produit et revenir dans son parcours. Donc c'est une bonne pratique, on peut updater tout ça dans le panier, c'est vraiment une très bonne chose qu'on a voulu noter. En dessous, on voit en grisé un encart sur la partie modalité de livraison. Attention, l'aspect livraison est extrêmement important. On a aujourd'hui des exigences tous sur la rapidité de livraison. On peut comprendre que les produits soient plus longs à arriver, mais enfin, on est quand même assez exigeant là-dessus, la rapidité de livraison et puis le coût qui est représenté en face. On voit ici qu'on a deux modes de livraison proposés. L'un étant grisé, a priori, c'est celui qui est sélectionné. Notre logique de lecture UX, design, j'entends, d'un point de vue design, nous laisse penser que c'est présélectionné, donc on va passer tout de suite à l'aspect paiement. Or non, ici, on doit entrer dans ces blocs-là pour aller sélectionner l'info et puis découvrir un petit peu plus d'infos. Donc, là, c'est plus d'un point de vue design qu'on pourrait penser sans doute un peu mieux les choses. C'est facile à dire, il y a toujours des contraintes derrière, mais attention sur les promesses et les rassurances qu'on doit mettre en place à cet endroit-là.
Et puis sur la droite, un point important, c'est et qui peut être potentiellement très très déceptif, c'est attention, votre panier est actuellement vide. Parce que on a découvert qu'il y avait un timekeeper sur le panier qui est de 60 minutes. Enfin, quand je dis 11, je pense à Elena. J'ai cité mon collègue Romain tout à l'heure. Alors, Elena m'a accompagné beaucoup aussi sur l'analyse de ce site. Et Elena avait fait un panier. Et puis, elle faisait son parcours, son analyse, etc. Et au bout de 60 minutes, le panier avait disparu. Donc, ça, c'est très déceptif. La première fois, on est surpris. Il y a une logique technique derrière, hein, forcément. Et puis, tout dépend des produits que vous avez, tout dépend des socles techniques que vous utilisez. Attention au timing. Est-ce que 60 minutes c'est le bon? Est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire, etc. Il y a une logique de remise à jour des stocks. Bon, voilà. Il y a pas mal d'informations derrière, mais d'un point de vue UX, ça peut potentiellement être bloquant. Bonne pratique néanmoins, le panier n'est pas totalement perdu. Il est basculé dans la wishlist. Donc on peut retrouver sa wishlist. Et ça, potentiellement, c'est sympa si on garde un petit peu l'idée du magasin de tout à l'heure. Vous ne passez pas la caisse tout de suite. Ok, je vous les mets de côté, vous repasserez tout à l'heure. Donc, voilà, il y a du bon, du mauvais un petit peu dans tout. Attention, ça peut être surprenant. Je ne sais pas quelles sont les pratiques proposées aujourd'hui sur votre site. Essayez de garder un œil attentif sur cet aspect panier. On a l'impression que tout le job est fait. Non, c'est quand même vraiment ce dernier moment de conversion qui est crucial. Et juste, si on garde l'image de passer à la caisse, Oui. Camille, je crois que justement, tu avais des idées là-dessus. Oui. Oui, je pense que vous le constatez tous, hein, ça fait quand même quelques années où les parcours clients en magasin physique ont été revus, et notamment avec un parcours caisse qui est jonché de petits produits pas chers à ajouter pour venir augmenter facilement le panier moyen. Et l'idée, c'est de pouvoir reproduire en fait cette stratégie sur votre boutique en ligne, mais avec le petit truc en plus que en ligne on a accès à la donnée comportementale et transactionnelle, encore une fois. Donc on est capable d'aller recommander des produits qui sont en lien avec les produits qui ont été ajoutés en panier. Donc on ajoute cette intelligence qui va permettre de montrer des produits vraiment pertinents. Donc typiquement, je peux montrer des produits qui sont souvent achetés avec le produit en panier et qui possèdent un filtre de prix pour montrer des produits à pas plus de 10, 20 euros. Enfin, bien entendu, tout dépend de votre panier moyen. Donc ça, c'est une première stratégie. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'atteindre, on va dire, l'écart nécessaire pour obtenir l'accès obtenir, pardon, les frais de livraison gratuits. Voilà, ça peut être un peu frustrant quand on voit qu'il nous manque 5, 10 euros pour obtenir les frais de livraison gratuits. Faut que je retourne, faut que je quitte la page panier, que je retourne dans ma navigation pour aller chercher un petit produit qui viendra compléter. Ça peut rendre l'expérience un peu plus longue, ça peut, voilà, ça la facilite pas, on va dire. Donc, si on vient proposer directement des produits dans la tranche de prix qui me permettent d'obtenir les frais de port gratuits, eh ben là, on facilite vraiment l'achat et on facilite vraiment l'augmentation du panier moyen avec une expérience optimale pour notre visiteur. Ça, c'est une des stratégies qu'on peut mettre en place sur la page catégorie. Le bloc, il doit intervenir vraiment par contre en dessous, hein, bien sûr, du panier. On veut pas, on va dire, on veut pas détourner quand même l'intention de l'action qu'on recherche quand même de base, qui est la conversion. Mais c'est intéressant de l'avoir ici. Autre stratégie qu'on peut avoir derrière ce bloc de recommandation produit et ce merch mis en avant dans la page panier, c'est aussi, pourquoi pas, de montrer des produits, une recommandation personnalisée, donc des produits avec lesquels le visiteur a eu un fort intérêt dans sa navigation, pour là aller favoriser l'achat coup de cœur ou l'achat d'impulsion. Donc ça va être, par exemple, êtes-vous toujours intéressé par ces produits? Voilà, j'ai vu une petite veste pendant ma navigation, j'ai beaucoup hésité, je ne l'ai pas ajoutée et on me la rappelle en page panier. Ce qui fonctionne le mieux, je ne peux pas le dire parce que ça dépend vraiment des sites. Nous, ce qu'on recommande en général, c'est toujours d'AB tester, voir ce qui rapporte le plus en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'augmentation de panier moyen. Mais voilà, c'est vraiment dépendant des boutiques, dépendant des segments aussi de visiteurs. Et donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner là-dessus, c'est toujours de tester. On arrive à la conclusion et je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. On s'est posé pas mal de questions avec Camille sur la manière de faire cette conclusion.
On n'avait pas envie de vous mettre en avant les 10 tips à mettre en place sur 2022, parce qu'il n'y en a pas forcément. Camille vient de le dire, on ne sait pas toujours ce qu'il faut vraiment faire et il faut faire beaucoup d'A/B testing. Un premier point qui est important et qui est réel, c'est le contexte. Le contexte, il est extrêmement mouvant. On a des cibles qui sont volatiles, qui sont de plus en plus jeunes sur ce cible-là, après, sur ce site-là. Tout dépend encore une fois de votre marché, de vos cibles, de vos produits, etc. Mais les cibles, globalement, sont extrêmement mouvantes. On sait qu'on a, d'un point de vue marketing digital, entre 6 et 7 points de contact avant une conversion. Et si ces 7 points de contact, c'est avec votre site ou avec une marque ou avec un produit. Toujours est-il que, il faut pas se rater. Le moment où on arrive à capter l'attention d'un visiteur, il faut pas se rater. Il faut lui donner le bon produit, le bon contenu, le bon parcours et essayer de gommer tous les points d'accroche qu'il peut y avoir. Donc, il faut vraiment penser tout ça. Comment penser tout ça? Bah, il faut le penser en le testant. Il n'y a pas de Il y a des bonnes et des mauvaises pratiques, mais il n'y a pas de mauvaise idée. Il faut tenter les choses, il faut benchmarker, il faut regarder ce que font les autres, il faut tenter des choses, il faut les A/B tester, il faut voir ce qui fonctionne, et puis il faut le faire évoluer rapidement parce que les cibles évoluent, les usages évoluent, ce qui était vrai il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui, et potentiellement il y a des nouvelles choses qui arriveront demain. Et puis dernière chose, c'est l'accompagnement et l'activation. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que on vous remercie déjà. C'est qu'a priori, vous veniez chercher des conseils. Des conseils, c'est notre métier à Camille et à moi d'en donner, chacun dans nos expertises. Nosto sera là pour vous accompagner sur des stratégies d'activation, de recommandations et autres. Vous voyez, tous les conseils que Camille a pu donner, c'est leur quotidien. N'hésitez pas à contacter Nosto. Et puis, chez Synolia, nous, notre métier, il est d'accompagner des projets structurés de replatforming. On n'a pas parlé de technique ici parce que ce n'est pas l'objet, mais derrière tout ça, il y a forcément des plateformes. Chez Synolia, on travaille avec Magento, avec Oro, avec Silus. On a parlé beaucoup de produits ici, donc toute cette logique d'information produit, on peut la travailler au travers du PIM avec Akeneo, avec qui on travaille très bien. Bref, on a beaucoup de choses, et Camille et moi, à vous proposer. Donc, si vous voulez aller plus loin, on va vous proposer maintenant de terminer avec une session de questions. Et puis, je crois que sur le dernier slide, on laisse nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en direct si besoin. Tout à fait. Vous verrez, côté Nosto, c'est Émilie Ruiz qui sera en charge de vous répondre et qui se fera un plaisir de vous présenter, notamment Nosto, si vous le souhaitez, une démo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la partie questions. Et si vous êtes timide, vous pouvez aussi contacter directement par email. Avec plaisir, Florence. Je vois les questions, je vois les messages. Tu n'y as pas accès. Bon, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Donc j'espère, voilà, avec Camille, on espère que c'était clair et que c'était intéressant et que vous repartirez avec quelques idées. Et comme on l'a dit, bah, n'hésitez pas à nous contacter et au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Merci Clara. Merci. Ouais, merci Florence. Très bien, elle est déjà en contact. Je Avec te plaisir. laisse réagir, je vois pas tous les messages, mais merci. L'impression d'être une youtubeuse de Ouais, faire ça aussi. un live. Merci avoir dit je profite. Tu fais le son, je fais l'image. Tu fais le Bon, son, je fais l'image. Ouais. Merci à tous. Merci tout le monde à votre dispo et passez une bonne voilà, on journée. va stopper le broadcast du coup. Merci. Passez une excellente journée et une bonne fin de semaine à tous. À bientôt. Au revoir.